Même pas envie de faire une critique de ce film. Bah arrête-toi là alors. C'est toi Alice. Là on va jouer à un jeu, on va lire les critiques de films et on va essayer de découvrir le film. Ok, c'est parfait. Je vais te fumer. Ce film est d'un ennui monstre. Un film pour enfants vu que c'est un Walt Disney. Le personnage principal ressemble à un clown pirate sans nez rouge. C'est wow. What? Et qui ressemble à un clown pirate? Monstre et compagnie, c'est un Walt Disney. La famille Madrigal. C'est un film pour enfants, vu que c'est non. Un Walt Disney. C'est ce qu'ils disent, mais en vrai, c'est juste que c'est chiant. Je pense plus à un film d'horreur qu'à un Disney, bah en ouais. Fait, avec un clown. Bah c'est ça, bon, je pense à ça, mais ça, c'est pas un Walt Disney du tout. Le Joker. Je dirais le Pirate des Caraïbes. Pirate des Caraïbes. Mais non. En une monstre, ouais, il est dur. Techniquement, c'était ouf. Attends, les squelettes. Le combat du squelette. Il passe la lumière de la lune et tout, enfin, ça tue. Depuis quand les bouts de bois, ça fait de la magie? Un scénario sûrement écrit sous l'effet de stupéfiants et du genre du bout du nerf. Attends, je le tente, hein. Harry Potter. C'est de Harry la Potter, triche. Potter, elle avait pas fini, Harry c'est de la Potter, triche. Bon, vas-y, je te laisse. Je te laisse. Je te laisse. Mais, ouais, mais les gars, ils ont de la haine, ils ont le venin en fait. Il utilise quand même un champ lexical qui ouais. Concerne bien le film. Il y a de la recherche. De la recherche quand même, le mec s'est pris la tête, non, j'avoue. En fait, il cherche un taf. C'est... Je n'ai pas encore compris pourquoi les cinéastes mettent en œuvre des ralentis pour modéliser la rapidité. Wow. Je dirais Matrix. Matrix. Je l'ai pas vu. Mais oui, mais dès qu'ils disent ralenti, c'est évident. Et en fait, il faut presque le plaindre. Ouais, ouais. Il a pas capté le... Il a pas vécu l'expérience. Non. Ah, c'est dur. Franchement, je n'ai même pas envie de faire une critique de ce film. Bah arrête-toi là alors. Au fait, les vampires ne sont pas des boules à facettes et encore moins des panneaux verts. C'est Twilight. On est sur du Twilight. Pour le coup, je suis d'accord. Parce que les vampires qui brillent... Ça m'avait choqué l'excuse de « il y a des nuages, donc les vampires peuvent survivre ». Je me souviens même pas, je pense que mon cerveau il a fait « non, oublie, non, mais dans le délire oublie. En fait, c'est, il fait toujours gris, ouais, donc vrai. Le soleil ne passe pas, donc on vit. Voilà, fin de l'histoire, merci.